ch'tis sont là. Les ch'tis repartent à l'aventure et se lancent à l'assaut de la ville la plus glamour du monde. La ville de toutes les stars, où les rêves peuvent devenir réalité. Some dreams come true. Hollywood. This is Hollywood. Hollywood. Les ch'tis sont à Hollywood. Accès. Ils ont 2 mois pour faire leurs preuves et imposer la ch'tis touch dans le paradis des stars. So let's go. Seront-ils à la hauteur de Hollywood? Tout est possible à Los Angeles. C'est la ville des stars ici, donc il faut saisir chaque opportunité. Le niveau est très haut et ça fait peur. Ça fait peur. Pour les aider à faire de leur rêve une réalité, les ch'tis ont une bookeuse de choix. Hi guys. Hello. Hi, welcome. Come in. Paris Hilton. Sugar on my seat. Yeah. Paris Hilton, c'est ma star, c'est mon idole, c'est un truc de fou pour moi. Sugar tonight. Oh. Plus que jamais, Los Angeles va mettre la famille des ch'tis à rude épreuve. La nouvelle pin-up d'Hollywood arrive. Faites de la place. Moi, j'ai pas trop envie de t'accueillir. T'es vipère ou tu l'es pas, hein? T'as une grande gueule, moi aussi j'en ai une. Tant mieux. Ouais, tant mieux. Y a pas d'esprit de famille, hein? Ouais, pour moi, c'est perdu. Vas-y, arrête, va. Mais c'est chacun pour sa gueule. Mais vous faites trop de manières pour rien. Fais des manières, là. Ça, c'est juste deux clans. Dans cette ville de tous les possibles, certains vont devoir renoncer à leurs rêves. L'histoire, voilà, s'arrête pour moi. Ça va. Enfin, D'autres, au contraire, vont y connaître la consécration. Ça restera pour moi marqué à vie. I love it. Mais Hollywood va parfois refermer son piège sur les couples amoureux. Non, c'est bon. Lâche-moi. Casse-toi, dégage. Non, putain, il arrive, mais j'ai fait quoi, toi? Entre nous, it's so va. T'auras à me dire que c'est fini entre nous. Certains vont y trouver l'amour. Votre rencontre? Ouais. Virginie, bah, je t'ai vu de plus. Une nouvelle petite femme. Je suis leur paradis, moi. Et d'autres vivre enfin leur amour au grand jour. Moi, je sais que c'est de l'amour, tu vois, et pas de l'amour d'amitié, tu vois. C'est de l'amour, amour, et je vais te dire, en fait, je t'aime, tu vois. Bah voilà, tu vois. C'était difficile. Il fallait 2 ans. C'était difficile. Entre tension et amour, les ch'tis vont vivre des émotions incroyables. C'est impossible. Maman, c'est toi. Faire des rencontres inattendues. Il y en a assez. Oh, c'est les Marseillais. Oh, ça dégomme. Eh, toi, tu fous pas le bordel. Ah ouais. C'est tout. La famille des ch'tis sera à jamais transformée et ils en garderont des souvenirs inoubliables. Je vous aime, les ch'tis. Vas-y, ma poule. Jour après jour, vous allez vivre avec eux et partager leurs histoires. Auprès des garçons, j'ai pas envie d'une rivale. Y a rien à dire, quoi. Toi, c'est vraiment une jolie femme et puis elle est bien refaite, quoi. Ça me dégoûte, quoi. N'a rien à voir, tu vois. She makes me go, oh, oh. La personne qui se démarque le plus des ch'tis, c'est Charles. Bonjour. Bonjour. Moi, je serais une fille, je le prendrais même pas au sérieux, Charles qui me drague comme ça. Je te mets à l'aise, quoi. Vraiment, fais attention à toi, parce que c'est une bimbo. Mais j'ai fait ça pour être gentil, c'est tout. Christopher qui recherche une petite amie. C'est pour le bien de Christopher, on veut trouver une femme. Ouais, c'est parfait. On va organiser un casting à la maison. Gaël et moi en mode jury. C'est parti. Shooting photo, pin-up. Il y a quand même du level. Oh, beautiful. C'est moi, c'est Julie. Et là, c'est Toto Thaler. First time. Hop, hop, hop. Oula, qu'est-ce qui se passe? Bounce, bounce.
C'est pas forcément un truc pour moi. Vas-y, on est entre nous. Je me dis, j'y arriverai jamais. Non. Au plus profond de moi, je suis au plus mal. Pour Hilary, c'est le drame, elle commence à s'effondrer, à pleurer, parce que bah, son rêve, en quelque sorte, se casse en mille morceaux. Ça fait une plombe que je ne le ferai pas. Jamais dit j'allais le faire. Tout le monde me dit, si tu ne peux pas faire, tu ne peux pas. Non, tu ne fais pas, Chou. Je me dis, si tu le fais, Hilary, c'est pas toi. Pourquoi tu le ferais? Donc je me dis, non, fais-le pas. Et je respecte aussi Vincent. Vincent, on serait fou de savoir ça. Mais est-ce que c'est OK si... Say if we wanted to use her for the photo shoot and she didn't take her top off. Is that OK? Non, c'est... Mais j'arrête. Non, c'est ça. Et comme ça, tu peux l'arrêter sans... T'as vu ma gueule ou quoi? Je viens de pleurer. J'ai pas commencé à poser, alors je suis comme ça. Non, c'est OK. C'est un peu trop de manière quand même. Il faut arrêter. Au bout d'un moment, t'es plus un bébé. T'as pas envie d'enlever ton soutif, t'as pas envie d'enlever ton soutif, c'est tout. C'est ton problème, mais pas besoin d'en faire toute une scène de pleurs, de je ne sais quoi, par rapport à un soutif, quoi. No, I respect that. Elle respecte ton choix. That's good. Oh, see? Mouah, mouah. Je me sens pas dans mon élément, je me sens pas moi, je me sens pas dans mon monde. Et je m'y retrouve pas, en fait. Et du coup, ça m'énerve parce que j'ai qu'une envie, c'est de rentrer. Et je me dis, qu'est-ce que je fais ici? OK. Topless, no top. Him, no top. Après, il y a eu... y a Robert qui vient me voir en me disant, ouais, voilà, j'aimerais bien que tu poses et tout ça. Et là, en fait, il me demande d'enlever mon t-shirt, il me demande d'enlever mon pantalon. Bah, c'est parti. Moi, je suis super contente, c'est trop mon délire, c'est mignon, c'est coquin en même temps, c'est très beau. Je pose avec Jordan seins nus, là ça me dérange pas forcément. Bah, oui. Mais voilà, c'est compliqué de garder son calme pour un mec dans ce genre de choses comme ça. Mais voilà, c'est professionnel, j'y arrive, je me sens vite à l'aise. Je pense que j'en ai fait des jaloux, hein. Que ce soit Soso et Carlito, je pense qu'ils sont un peu dégueux de ne pas être à ma place. Et voilà, c'était assez marrant. Moi, je passe un très très bon moment. C'est OK. Judy. OK. Le casting se finit. Molly et le photographe donc nous dit qui va être prise. I think since you two girls are most comfortable, we're going to have to use you two girls for the shoot. Oui. Oui. Merci, thank you. Ça me met une claque, mais totale. Alors là, j'ai senti le chaud-froid direct parce que je me dis, là en fait, la seule qui n'a pas été prise de nous trois, c'est moi. Alors que d'habitude, la seule qui est prise de tout le monde, c'est moi. Donc là, j'ai senti l'électrochoc. Moi, je suis super contente que mon premier casting, je l'ai réussi. Donc je montre aux gens aussi que je suis pas là pour rien faire, je suis là aussi pour bosser, comme eux. Je suis assez fière parce que j'ai rien à voir avec Julie, j'ai rien à voir, voilà, j'ai pas de gros seins, et pourtant, je suis prise, et je sais très bien que j'ai plu au photographe. Thank you, my friend. Okay. See you later. See you. À bientôt. Bye. Adios. Au revoir. Adios. Au revoir. Au revoir. Bye, thank you very much. Okay. Quand on arrive à la villa, il y a Vincent qui arrive au même moment
Et là, je me dis, mais dans ma tête, bon, allez, on lui fait quand même la blague parce que je veux quand même voir sa réaction. Ça a été ou pas? Bah, vas-y, je t'en prie, exprime-toi. Au début, fallait le faire en short avec le haut d'un maillot de bain ou le haut d'un soutif. Donc, j'ai pris le haut d'un maillot de bain et tout. Ouais. Et après, il fallait faire seins nus. En deux pièces. Et tu l'as pas fait? Si. Tu es sérieuse? Bah, tu te fous ma gueule? Pardon. Pardon. Elle a jamais fait, c'est du tout. Bah, quand c'est pas possible, j'ai rien craqué. Avec ses cheveux, tu l'as fait? Tu as t'as fait ça, mais je l'ai caché là. Tu te fous ma gueule là? Pas vrai. Non, je te jure, c'est vrai. Non, c'est pas vrai. Paf. Sa tête, elle a fait 1000 tours. Il s'est décomposé, mais d'une puissance. Je commence à péter un plomb, mais dans moi, etc. Parce que forcément, ça, tout, mais sauf ça. T'as fait ça, nul, Harry, toi, tu m'as tué. Non, comme ça, c'est cassé. Ouais. Bah ouais, mais. C'est pas grave, mais tu vois, c'est ça, plus ça qui font que, quoi. Je pense qu'au fond de lui, il a plus envie de m'engueuler parce qu'il a peur de ma réaction et que je regueule encore une fois. Si je te crois pas que t'as pas fait ça, c'est impossible. C'est impossible. Je mets mon cœur à couper que t'as pas mis ça. C'est impossible. Bah, tu sais quoi, ta femme, tu la connais, moi. C'est vrai? Ouais. Bah, là, là, je suis fort. Je lui dis, tu connais vraiment ta meuf par cœur. Eh ben ouais. Et je suis fier de moi. Et là, je t'aime, tu gères. Il est hyper content. Il dit, oh là là, trop bien et tout. Et ben, au fond, c'est moi, je lui prouve aussi que je le respecte. Et je lui prouve aussi que bah, il peut me faire confiance. C'était sûr, c'est impossible. Je la connais par cœur, elle n'aurait jamais fait ça. Et elle a eu raison parce que c'était pas son. Parce que je la connais, elle aurait jamais fait ça parce qu'elle a trop de respect envers elle et surtout envers moi. Ouais, mais les personnes qui font. Putain, mais tu jamais géré. Vincent, les personnes qui font seins nus, ils se respectent aussi, tu vois. Ah, mais j'ai pas dit ça, c'est ton vécu, j'ai dit attention. C'est ton boulot aussi, tu vois. J'ai dit à Vincent, mais ça t'amuse de dire des choses comme ça parce que sincèrement, ça me blesse énormément. Moi aussi, je me respecte. Moi, j'ai mes limites, je les sais. Et c'est que pour moi, c'est que le boulot. Des mannequins qui font de la lingerie, il y a des mannequins qui font des vêtements. Bah, elle ne peut pas faire lingerie nue, c'est bon. Donc voilà. En fait, Vincent, il parle pour moi. Tu penses quoi? Non, mais après, tu penses. C'est ce que toi, tu veux aussi. Non. Bah, non, mais moi. Bah, genre, je poserai en lingerie et nue, mais non, mais je suis d'accord. Mais est-ce que c'est ça? Si Larry, elle en joue comme ça, c'est d'un côté, je pense que au fond d'elle, elle avait vraiment envie de le faire. Et je pense que c'est par rapport à Vincent qu'elle l'a pas fait, mais je pense que si elle aurait pu le faire, elle l'aurait fait. C'était juste pour dire ce que je pensais. Après, si elle est pas d'accord, elle est pas d'accord. Mmh. Parce que là, elle dit ouais, non, mais il y a rien. Vincent, c'est pour moi, c'est un gamin encore. C'est un gamin niveau dans sa relation amoureuse, c'est un gamin. Et je suis sûr qu'au fil du temps, Hilary, elle va s'en lasser et puis elle va en avoir marre. Moi, je leur donne même pas un an encore. Et là, quand on rentre à la maison, il y a Adixia qui nous attend, genre « Oh, mes sauveuses !» C'est trop marrant parce qu'elle nous attend devant la maison, puis elle nous prend dans ses bras, nous fait un bisou. Tu sais ce qu'ils ont fait? Un shooting pin-up. Voilà. C'est parce que je croyais que t'étais... Ouais. Que vous étiez là quand il y avait eu le message, mais non. On se met dans le lit avec Tricia, et Adixia va nous raconter « Oui, cet après-midi, on a fait un shooting pin-up et tout, je sais, pardon ?» C'est genre le seul casting que j'aurais voulu faire, c'est celui-là, quoi. Bah, c'est pas grave, j'aurais. J'ai pas posé nu, j'ai caché mes seins. Non, je fais ça, en plus. Bah, avec qui? Bah, avec elle. C'est pas grave, la prochaine fois qu'il y aura casting, je vais pas. Je suis dégoûtée, c'est genre le seul shooting qui m'intéresse, mais le plus au monde, c'est le shooting pin-up, quoi. Je suis super blasée, voilà, je suis super blasée. Ce soir, ça vous dit pas d'aller voir une voyante? Quoi? D'aller voir une voyante? Mais ouais. Ouais, vas-y. Ouais, pour voir ce que l'avenir nous réserve. Oui, moi, pour mon avenir? Bah, pour notre avenir à tous. Vas-y, ouais. Mais c'est bien, on a Hollywood, on a plein de projets et tout pour savoir si on va réussir, machin, si. Voilà. Ça peut être bien, non? Histoire de l'amour aussi ou pas? Une vraie voyante. Ben ouais, tout ce que tu veux. C'est sûr qu'il y a une annonce qu'on va les voir, une voyante. Pas mal! C'est chouette, Alouette. Donc voilà, on est prêts pour aller voir la voyante. Donc du coup, on décide d'aller voir les filles dans la grande chambre. Avec la nouvelle, ça a été, Hilary? Ouais. Franchement, tu lui parles? Hein? Tu lui parles? Je lui ai quasiment pas parlé aujourd'hui et tout. Mmh. Mais quand on a été au shooting photo, au casting, eh ben, elle m'a aidée en fait. Donc je l'ai trouvée sympa en fait, elle était cool avec moi.
Hier, Hilary, elle était vraiment en mode ouais, ok, je l'aime pas cette fille-là. Elle est froide, elle est hautaine. Et là, enfin, limite meilleure copine. Je sais pas, j'ai du mal. Attends, je vais quasiment pas parler. Pour elle, ça se passe bien comme ça. Sinon, elle vend pas, mais elle va prendre cher. Bah, n'importe quoi, dis qu'on est méchante. Non, t'es très gentille, Tracy, à la base. Bah ouais. La team Shogun a vraiment, en fait, enfin, commence vraiment à intégrer Julie dans leur team. De toute façon, elle a pas trop le choix en même temps. Ils ont pas trop le choix. Parce que nous, on n'en veut pas. Donc, ils sont forcément obligés de l'intégrer avec elle. Non, mais pour le coup, elle était déjà un peu plus expressive qu'hier. Mais... parce qu'hier, elle parlait pas, elle souriait pas. Bon, voilà, c'est l'heure de partir pour aller voir la voyante, parce que voilà, la voyante, elle fait nocturne, mais je pense pas qu'elle va nous attendre toute la nuit. Hein. Et du coup, bah, on part en direction la voyante. Welcome to the psychic of Beverly Hills. I'm Anna. Hi, my name is Adixia. Adixia, nice beautiful. Thank you. On arrive et là on voit des petites femmes hein, qui nous attendent à l'entrée. Et là on se dit ça y est, c'est des sorcières. Qu'est-ce qu'on va nous faire? We're here to tell your guys this past, present, and future. Who was the guy who was gonna do first? We are gonna do Charles. Charles, who's Charles? Come right here. Et j'arrive et je passe le premier. Donc j'ai pas le temps de réfléchir, tant mieux d'un côté. Elle me donne le choix entre les lignes de la main ou les cartes. Donc je choisis les cartes. You've been disappointed in love, not once, not twice, but just about three times. Ouais, voilà. Bien vu. Well done. Well done. Je sais pas, j'ai mon cœur, j'étais pas à l'aise en fait et... parce que j'ai vraiment du mal à respirer et voilà quoi, c'est vraiment particulier quoi. You have a lot of negativity that's surrounding it, but all the positive is coming. Love is coming very soon. Ah bah voilà, parfait. It's in the house. Donc dans la maison? Dans la maison. Ah, eh, love that, hein? Very good. Qui ça peut être? Enfin, je réfléchis. Tracia, c'est impossible. Gaëlle, c'est impossible. Hilary, c'est impossible. Il reste à Dixa et Julie, quoi. Oh, j'ai des bonnes nouvelles, là. T'as fait quoi? Elle m'a dit, ouais, l'amour, c'est très proche de toi, tu vois. Mais c'est genre dans la maison, tu vois. Elle m'a dit, dans la maison. Je ne crois pas, non. Je crois pas qu'il va trouver l'amour. Peut-être qu'il va se passer quelque chose avec Julie, mais je crois pas qu'il trouvera l'amour, le pauvre, dans la maison. Christopher? Et là, c'est mon tour à moi. J'écoute vraiment tout ce qu'elle dit. It's definitely difficult to deal with everyone around you. A lot of people don't want to see you succeed. A lot of people get into your way. Ouais, c'est possible. But I do know that you block those people out, but at certain times they could get to you in many different ways. Quand elle me dit ça, ben, je pense tout de suite à Sofiane et Charles parce que je pense qu'elles peuvent faire un coup par derrière, tu vois. J'ai déjà commencé pour piquer bah, Julie tout de suite, tu vois, de l'accueillir comme ça, tout de suite dans leur chambre et tout. Comme ça, bah, ils peuvent la retourner le cerveau et dire n'importe quoi sur nous, quoi. Ça, c'est vraiment des bâtons, mettre dans les roues. Well, the good news in love is that I do see a compatible person that's in the future for you. Ce serait cool. En tout cas, bah, elle me dit vraiment la voyante que je vais rencontrer une fille. C'est bon, ça! I hope you enjoyed your reading. OK, thank you very much. Thank you. Mon amour, je vais la trouver bientôt. Alors j'attends avec impatience. Hi. Hi, how are you? Fine. And you? Good. Are you a bit nervous? Vous avez un peu peur? Non. Non. Shuffle the cards, pick me 20 cards out. Faut que je fasse quoi, là? Alors, mélangez les cartes et choisissez 20 cartes. Je me demande de choisir une vingtaine de cartes. Je prends les 20 cartes au pif. I'm seeing love in the... love going on right now. That you're currently... Non. Si j'ai une copine maintenant, c'est ça? Il y a de l'amour autour de vous en ce moment, là, dans votre vie. Ah, c'est possible. I see there's a woman in your life right now, but you're afraid to admit your feelings to her. Est-ce que c'est vrai? Je pense pas. Je sais pas. Non, non. Sure, non. Non. Ça fait tout de suite dans ma tête, en fait. En fait, en gros, quand elle m'a parlé de ça, je savais directement la personne qu'elle visait. Donc voilà,
Je savais qu'elle visait Gaël. Well, with the person that I see that you truly are in love with, the other person has mutual feelings for you. But you're too scared to admit your feelings for this person. I see it being a very compatible relationship. I see the connection there. I do see it going longer into a long-term relationship. J'y crois pas. Je crois pas trop à ces choses-là. Après, on verra comment ça se passe. Hein. Peut-être que je me trompe. Peut-être que je me trompe, mais pour l'instant, j'y crois pas. You confuse yourself too much. You think about... You overthink, is what I'm trying to say. Vous vous posez trop de questions. Ok. Même si j'aime bien gagner tout ça, je veux dire, j'ai plus envie. Après, peut-être que ça va changer, je sais pas, hein, mais pour l'instant, j'envisage pas de me mettre en couple avec Gaël. En fait, elle m'a dit en gros que c'est... Je sais pas. Il y a une personne qui a des sentiments pour moi, mais il faut l'avouer, je ne sais quoi, il faut l'admettre. Ouais, comme par hasard. Ok, je vais genre Roméo Juliette. Je sais pas qui est-ce, mais je pense que c'est peut-être moi. Bah non, parce que là, entre guillemets, je lui ai mis... Non, parce que j'ai dit, bah écoute, moi j'ai aucun sentiment, tu sais quoi, pour une personne attitrée, écoute. Et en fait, Jordan, directement, tellement, voilà, un peu là, macho sur le coup, là, il fait, ouais, bah c'est pas vrai, parce que moi, voilà, y a personne avec qui dans la maison j'ai envie de me mettre et tout, donc là, c'est petit de dire ça, quoi. C'est petit parce que je sais très bien que c'est pas vrai et qu'il le pense pas. Mais c'est parce que, du coup, il est gêné, alors du coup, il faut bien qu'il rattrape sur quelque chose d'autre, puisqu'il sait pas, ce qui se passe dans ma tête, alors du coup, je pense qu'il dit ça pour ça. Hi. Hi. Quand mon tour arrive, je suis en stress et dès que je rentre, bah déjà mes mains sont moites, je dégouline. I've seen that you've been hurt in love at least twice in your life. Mm-hmm. Ce qu'elle dit, c'est tellement vrai. Enfin, moi, la voyante me dit des choses qui me touchent vraiment. I see a person in your life. It's someone who's very close to you, who cares for you very deeply. Who loves you very much. Ça me donne chaud, ça. But is too afraid to show his true emotions to you. He's afraid of rejection. He's afraid he's not good enough for you. Mm-hmm. Elle me dit que voilà, qu'il y a quelqu'un dans la maison qui m'aime bien et que je passe à côté de quelque chose et que je veux pas, enfin que je me voile la face et que je passe à côté de quelque chose et que cette personne-là m'aime beaucoup. Je sais pas pourquoi, mais j'ai pensé à Jordan directement. Je sais pas pourquoi, j'ai réfléchi longtemps. I'm seeing nothing but happiness for the rest of your two lives. Moi, en fait, au final, je sors, je suis super contente. Elle me dit des choses qui me touchent et qui sont très très révélatrices, enfin très très révélatrices de ce qui se passe aujourd'hui. À un moment donné, elle m'a dit ouais que j'avais deux grosses déceptions amoureuses, et c'est vrai, deux, et que j'allais rencontrer, enfin que j'avais vraiment rencontré quelqu'un et que... Enfin, je sais plus comment elle m'a dit, mais... On peut pas me l'inventer, ça, tu vois ce que je veux dire, et les trucs, elle peut pas me l'inventer. Je sais très bien que Gaël sait que la voyante parle de Jordan, et Jordan sait que la voyante parle de Gaël. C'est sûr, j'en mets ma main à couper, et s'ils disent non, c'est qu'ils veulent pas se l'avouer. Mais au fond d'eux, ils savent très bien de qui ça parle. How are you? Anna va être votre voyante. Oui. Okay. Ensuite vient mon tour, elle me sort les cartes et là elle me dit que je vais avoir du succès niveau dans ma carrière, je vais avoir du succès, mais que j'ai tendance à laisser tomber très vite les choses. Ce qui est vrai. En amour, love. Love. Comment ça va se passer? What is going to happen? Right now, love is very difficult for her. It's very easy for her to find love, but very hard for her to hold on to it. En amour, j'ai du mal à... J'ai très facile à les avoir, mais j'ai du mal à les garder. Ce qui est vrai aussi. I do see that there is two people that are you're interested in. One you love and care for dearly, the other you're not too sure what his intentions are. D'accord. Ok. Merci okay. beaucoup. Thank you. Vincent, c'est à toi. Oui. Vicente, oui, ok. Hop, donc j'arrive dedans. Il fait très chaud, j'enlève ma veste. Ok, pick one. Choisissez un tas. Je
tendu et figé. Je suis stressé. Parce que je... En fait, la question que j'ai peur, c'est Hilary et moi. C'est vraiment la question qui me fait vraiment peur et j'ai pas envie qu'elle me dise, mais écoute, elle t'aime pas, quoi. Elle peut nous dire le mal comme le bien. Celui avec qui je suis à l'heure actuelle, est-ce que c'est un bon avenir pour moi ou est-ce que c'est... je me foire totalement? Oui, mais c'est la pagaille dans votre tête et tout. Elle dit la vérité. Dès qu'elle sort, Chia, elle pleure. Jordan, est-ce que Julie, c'est ton style de fille? Au niveau du caractère, ouais, ça pourrait être mon style de fille. Physiquement, ouais. Faut du rentre dedans un peu à Jordan. Adixia, ça me fait ch... Ça met un électrochoc en Adixia. Elle était chamboulée, elle était perdue. Elle prend vraiment... ma place, quoi. Ah, c'est vrai? Adixia, désolée. Elle arrive en mode... Enfin... À plusieurs, t'es fort, moi, je suis toute seule. Donc voilà. Qu'est-ce qu'elle a? Bah, moi, elle ouvre sa gueule, en fait. Elle va vite comprendre son jeu. Restez avec nous, les Ch'tis à Hollywood, ça continue jusqu'à 20h30.